Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Sur Strike TV. Au programme, une interview exclusive de MOV, joueur de Street Fighter 3 Arcade, ainsi que le test de Sur Strike Online Edition. Alors restez scotchés devant votre écran, car c'est maintenant que ça se passe. Lors du Stunfest 2011, nous avions eu le privilège de nous entretenir avec MOV. Vainqueur lors de nombreux tournois, y compris à plusieurs reprises du Tougeki, la plus grande compétition japonaise de jeux de combat arcade, c'est un joueur qu'on ne présente plus au sein de la communauté mondiale de Street Fighter 3. Durant cette interview, nous allons lui poser des questions concernant le joueur, la communauté japonaise et son avis sur les jeux de nouvelle génération. やる人が来れば、やってもいいんだけども、一人じゃあまだに仕方ないと分かんなかったので、ベスト4は、やろうかなとは思うんですけど、他のトッププレイヤーに、追い込もうと思うと、それこそ一生懸命練習
Et sans plus attendre, on passe immédiatement au test de Street Fighter 3 Third Strike Online Edition. Sorti en 1999, Street Fighter 3 Third Strike fête ses 12 ans de service en voyant le jour sur le PSN et le Xbox Live Arcade. Allons dans le vif du sujet en jetant un coup d'œil dans les options où l'on pourra noter l'impossibilité de régler le volume des musiques indépendamment des bruitages. La présence d'un Deep Switch, plus communément appelé Extra Option dans les versions PS2 et Dreamcast, et une des nouveautés que cette version nouvelle génération accueille est le mode épreuve. Un peu comme le mode défi de Super Street Fighter 4, 5 enchaînements sont à réaliser par personnage pour débloquer divers succès et points spécifiques au jeu. On y trouvera aussi 10 épreuves qui permettront aux nouveaux joueurs de se familiariser avec le système de blocking, qui, bien maîtrisé, permettra de contrer n'importe quelle attaque de l'adversaire. De plus, dans ce mode, une surprise attend les fans. Voyez par vous-même. Je vous parlais des points spécifiques au jeu.
cela vous serviront à débloquer en majeure partie des illustrations mais aussi les musiques remixées, les musiques originales du menu principal et de la sélection des personnages, au cas où si cette pseudo-ambiance boloss ne vous plairait pas. C'est clair qu'avec les musiques originales, on est déjà plus dans l'ambiance de Street Fighter 3 Third Strike. Le mode entraînement reste inchangé à la version PS2. Mêmes options, un mode training plus ou moins similaire avec ce qui se fait actuellement dans les jeux de combat. On remarquera une petite nouveauté, la command list qui est dispo dans les menus in-game et qui servira bien sûr à qui aura besoin. Le mode de jeu local respecte sur plusieurs points le jeu original. L'ayant testé sur un écran HD et sur Xbox, j'ai été impressionné par le temps de réponse et le no-lag du jeu. Il est possible de jouer à la frame comme sur arcade, les puristes seront ravis. Petit bémol, les menus d'après-match ne sont vraiment pas commodes. On enchaîne clairement plus rapidement les matchs en jouant en mode arcade. Autre petit point qui fera grincer des dents les puristes, les musiques de stage sont les versions arrangées que l'on pouvait trouver sur Dreamcast et PS2, en espérant pour Capcom que les musiques arcade seront dispo dans un futur DLC. Le jeu propose également des filtres et autres modes d'affichage. En passant par le 4 tiers, écran large ou même illusion de borne d'arcade, il y en aura pour tous les goûts. Il est clair que Capcom n'a pas voulu commettre la même erreur qu'avec Super Street Fighter 2 HD, c'est-à-dire refaire graphiquement un jeu qui n'en a pas forcément besoin. Le mode multijoueur online propose aussi pas mal de choix. En passant par un mode tournoi similaire à Street Fighter 4, le mode replay, renommé ici en bon français pour l'occasion enregistrement, il y a le matchmaking, qui d'ailleurs est assez bluffant. Le netcode a été bossé, on ne ressent quasiment pas de lag. Confirmer et jouer à réflexe est complètement possible. Mais attention, pour cela il faudra configurer les options du GGPO à lag 0 et espérer tomber sur quelqu'un ayant une bonne connexion. Pour rejoindre un salon, le jeu se fera une joie de vous proposer jusqu'à 50 parties hébergées. De quoi avoir le choix. Ceux-là sont des standards de 8 joueurs et vous devrez vous servir des places privées pour limiter le nombre d'emplacements disponibles lors de votre hébergement. Comme vous le savez, c'est une online edition, et qui dit online dit classement, avec un leaderboard disponible par classement général, par personnage ou par tournoi gagné. Pour conclure, cette version plaira aux fans grâce à sa fidélité à la version arcade, séduira les nouveaux joueurs notamment grâce aux nouveaux modes qui rendent le jeu un peu plus accessible, et contentera tout le monde grâce à son netcode vraiment impressionnant. Third Strike TV, c'est fini pour aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié ce numéro spécial, je vous dis à très bientôt.